Tout le monde, bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo. Let's go. Là, on a un nouveau logo pour Disney. Je peux pas vous montrer le truc. Aussi, quoi d'autre? On a aussi, ah oui, un trailer pour Hocus Pocus 2. D'ailleurs, je crois que ce sera. C'est les annonces Disney et Pixar. Donc du coup ça arrive le 30 septembre. Donc dès le 30 septembre. Où est-ce qu'on a une affiche? Attendez les frères. Ah ouais, on a une affiche. Ah bah ouais, on a une affiche. Quoi d'autre? Apparemment, le film Il était une fois deux, ça pourrait se passer 14 ans plus tard. Ah ouais, d'ailleurs, on a eu un trailer, les frères. D'ailleurs, on a eu un trailer. Ah oui, d'ailleurs, le logo, ce sera pour les enfants de Disney. Voilà. Donc le 24 novembre. Donc du coup voilà, assez hypant tout ça. Ah oui, aussi on a un premier aperçu.
un poster pour Peter Pan et Wendy. On voit Captain Crochet. Ainsi que ce qu'on a l'air de Peter Pan, et apparemment ça sort en 2023. Voilà, quoi d'autre? Affiche pour le film Il était une fois deux. Voilà. Ah ouais, les gars, là, du coup, c'est Haunted Dimension. Il y aura Owen Wilson, Lockheed Stanfield, Jamie Lee Curtis. Et Moore. Et aussi, ça va sortir le 8 mars 2023. Voilà, alors on a quoi d'autre? Ah ouais, alors, ah ouais, les gars, ça va vite là. Barry Jenkins va réaliser le film Mufasa The Lion King. King en 2024. Là, les gars, je suis giga choqué, là. C'est génial, ce sera un préquel, apparemment. Non, il y aura deux timelines. Il y aura deux timelines. Une timeline consacrée à Timon et Pumba. Et une autre concernant la genèse de Mufasa. En vrai, les frérots, là, il y aura des infos et théories de dingue, là. Le retour d'infos et théories en o dès octobre. Il y aura aussi du gaming, en plus. Donc, du coup, voilà. Quoi d'autre? Mark Webb. Snow White remake starring Rachel Zegler en Gal Gadot. Donc du coup, voilà, un spécial logo pour la petite sirène. Le film de en 2024, c'est en 2024 avec Rachel Zegler et Gal 2024. Nouveau logo, nouveau logo, go pour Ren. Apparemment, il y aura 10 nouvelles saisons. Attendez. Attendez, les gars. Attendez, les gars, on a un trailer. Donc du coup voilà. Attendez. On a fini là. Bon bah là les gars, côté Pixar. Là on était côté live action. Attendez. Ça c'est First Look pour Amber et Wayne. En vrai le style un peu 2D ça va. Je m'attendais à pire. Et ce sera apparemment Lee ou Lewis et Mamadou Hathi qui vont doublé Amber et dans le film Elemental. Alors récemment, il y a quelques mois, vous avez fait une vidéo autour de ça. Ah ouais, mais aussi une. En vrai, le style 3D, ça se remarque pas. Ensuite, non, une. C'est sombre, en vrai. En vrai, il est assez sombre cette affiche. Donc, du coup, apparemment, Win or Lose, ça va se consacrer. Après, en fait, ça va se passer en une semaine, en fait, ça va suivre avec un coach Dan, c'est-à-dire c'est Will Fortier double. En fait, ce sera une série avec son propre style d'animation. Chaque épisode aura son propre style d'animation, et en fait,
fait, il y aura du softball. Ce sera une équipe de softball. En fait, chaque personnage va raconter avec son style d'animation le comment ça s'appelle? Son point de vue. Et d'ailleurs, nouvelle image. Attendez, les gars, quoi? Les gars, on a une image. Image du film Helio. D'un film. Attends, quoi? Attends, attends, attendez. Voilà. On a vu un film Helio. Mais frère, c'est si hype! Attends, donc du coup, ça va suivre un enfant de 11 ans qui devient ambassadeur. Contacte les aliens et qui devient ambassadeur de la Terre. Amérique et ainsi Ferrera va jouer la mère de Yo Olga. Et ça sort en mars 2024. Attends. Attends, c'est du fake. Un peu ça. Inside Vice-versa sur l'adolescence de Riley. Et ce sera Kersley Mann qui va le réaliser et Mac Le Fauve qui va le scénariser. Pardon. C'est énorme. Nouvelle image. Ouais, en vrai, hein, c'était futuriste, ça va. Il y aura de nouvelles émotions. Ça va sortir à l'été 2024. Bon, bah, super hype, hein, tout ça. Maintenant, concernant Disney, et c'est le fin du fin, les amis. Alors,